Oh, il y a une fille avec des garçons là, faut avertir Bassem. Wallah, tu restes avec. Regardez une gamine avec les gamins. Wallah, wallah, je vais t'afficher. Je vais dire à Bassem. Ah ouais, mais il peut pas parler. Wallah, je suis con. Wallah, Smahli, en vrai, il va rien dire parce que sa soeur, elle fait pareil. Smahli, il dit que c'est votre papa à Lyon. Il dit, je suis le papa de Lyon et il y en a encore qui le défendent. Ah, mais laisse-le. Il dit que c'est ton père. Ouais, je comprends. Et parlez-moi pas de Hagra, hein, parce que si vous me parlez de Hagra, je vais vous mettre une petite vidéo où il frappe un ancien qui se défend pas en plus. Écoute. Comment c'est ça que tu veux entre nous? Tu vois, y a mon daron dans le truc, tu me dis c'est quoi? Et qu'est-ce que tu me racontes là? Et tu me parles de c'est ça que tu veux entre nous? Wallahi l'Azim, je t'ai dit que c'était pas le contexte, je le connais même pas. Depuis quand je parle de lui, Farouk? Ah, tu sais pas ce qu'ils sont capables de faire? Mais comment ce qu'ils sont capables de faire? Vas-y, vas-y, tranquille, wallah. La dernière fois en prison, frère, t'étais dans la promenade où il y avait des violeurs, frère. Sur le Coran, tu m'as dit nerner, je sais pas quoi. Tu m'as appelé, j'étais en cellule. Tu m'as appelé, frère, de ta cellule. Tu me disais, oh Farouk, je sais très bien. Je te connais par cœur, les gens ils parlent que de toi. J'étais qui, nanana. Est-ce que je t'ai déjà fait à la ZUB, moi? Est-ce que j'ai déjà fait ça ou ça? Au contraire, je t'ai réglé plein de salades, frère. Je t'en ai réglé plein. Aujourd'hui, je vais dans les réseaux sociaux, je vois quoi. Bon, là, je vous ai mis les vocaux où il me reconnaît pas comme quoi c'est pas vrai, il a pas dit ça et que Wallah, Wallah, par Allah, il l'a dit. C'est des vrais vocaux où il a dit comme quoi c'est mon père qui m'avait ramené. Bref, il y a un truc aussi que je tenais à dire à tous les Noirs de France et à tous les frérots Arbi qui vivent avec des Noirs et que personne ne nous séparera. Le mot nègre, à ce que je sache, c'est un mot raciste, hein. On sait tous c'est qui sortait ce mot-là à l'époque de l'esclavage. Aujourd'hui, moi personnellement, en tant qu'Arabi, j'ai des potes noirs. S'il y en a un, il traite un pote à moi qui est noir de nègre, la tête de ma mère, je lui casse la tête. Hein? Personne ne cautionne ce mot-là et je pense que les noirs, ils ne le cautionnent pas. J'ai fait grave des canulars téléphoniques, fif. Ah ouais? Voilà. Mon canular téléphonique dans sa mère. Ah ouais? Sans dire le nom. Mais t'es fou. Allô? Ouais, allô? Allô, salam. J'utilise un rituel satanique. Ça, t'es pas bloqué. De langage magique utilisé pour les rituels. C'est quoi ça? C'est toute l'Afrique, sa mère. Rien à voir avec Lyon. C'est toute l'Afrique, nous. Les rebeux en même temps. Qu'il est beau le visage Alexa. Ouh là là, pas une perfection. Toi, t'es tout rouge là. Vous allez tout voir demain. Sur le corps, vous allez voir. Ça fait mal. La team Halim, la team ZB. Inch'Allah, que vous attrapez le coronavirus, bonne tête. Voilà, t'as vu. C'est pas moi qui va parler, qui va faire des débats sur toute cette histoire. Le passé, c'était le passé. Légitime. J'en ai marre. Mais t'en aurais marre, frère, le moment où t'as ramassé, t'es là. Oh, frère, t'as ramassé par Sadek, frère. Ils t'ont boulé. Lendemain, t'as fait des vidéos. C'est bon, je recommence plus, c'est vrai, il y a eu mes torts, j'ai mal parlé. Frère, tu continues sur les réseaux sociaux, dis-moi pas, j'en ai marre, tu continues à parler de l'autre ou l'autre. Dis-moi, t'aimes bien ça, c'est toi, t'aimes bien le buzz en vrai. Je fais des stories, c'est les gens qui cherchent
Voilà. Je leur pas des dents, moi. Ah, parce que. Ils essayent de chauffer, ils font ça. Mais voilà que s'ils chauffent mon cerveau, t'es moi, y a personne qui va chauffer. Je regarde ce que toi tu dis, frère. Et si mon cerveau il pète un câble, frérot, je suis pas eux. Tu leur dis viens là-bas ou viens là-bas, frère. Moi, c'est moi, tu vas me retrouver. Voilà, voilà, basse. De salope. On est 50 cousins. Je les montre pas sur mon snap, mais les Lyonnais le savent. Venez. Vous allez voir comment ça se passe. Bande de suceurs, de menteurs. Bande de mouilles. Venez ici. On est 50 du même sang. C'est pas ton ami qu'on va attraper. Il va dire c'est pas moi. Là, c'est la famille, c'est le sang. Attrape, tu verras qui t'attrape. Je m'en foutais, moi, que des Parisiens, ils ont fait ça. Shintawaz, Sadek, ils ont fait ça. Certes, il a parlé, il avait qu'à assumer. De Bassem, avec Sadek, la tête de ma mère, je suis un fils de pute si je vous mens. Bassem, il était dehors, il était pas à l'hôpital. Je lui ai dit, comment ça se fait, t'es resté aussi longtemps à l'hôpital alors que t'avais rien en réalité. Il avait rien, il avait un cocard, il avait rien du tout. Il m'a dit, j'attendais, fallait que l'attention, elle monte, fallait que les gens, ils sachent. Ça fait du buzz. Pour vous dire à quel point, il sait comment faire à tout, pour les cagnottes, pour tout. Moi, c'était plus l'humiliation que je leur reprochais. Hein? C'est de l'avoir frappé et l'avoir diffusé dans les réseaux sociaux. Ça, ça m'a fait mal au cœur. Mais en tout cas, Shintawaz, Sadek, ils peuvent venir à Lyon. C'est moi, je les accueille. Mais j'ai pris conscience que j'ai rendu service à un grand con, à quelqu'un qui pense qu'à lui. Bassem. Hein? Et tu le sais très bien. DJ. Bande de cons, vous croyez-moi, moi, à Lyon, là, je vais tourner ma veste. Là, j'ai des petites surprises pour vous. Je vais vous prouver que Sadeka, la Sadeka, c'est une vraie salope. Voilà. Il a fait des trucs. Il a fait les mêmes trucs que Bassem, il a fait pour moi. Avec certains qui ont bougé pour lui. Quand il est parti les chercher aussi. En pleurant, allez, venez me défendre, les gars. J'ai des écoutes, j'ai des bons trucs. Oh, tu m'as dénoncé pour la pub, là, c'est ta préférée. Comme le monde, il est petit, c'est la marlicoum. C'est la marlicoum, comment il va? Bien. Donc là, on est avec le frérot, la FDJ, vous connaissez sur Snap. Alors apparemment, donc là, ça c'est nous, on n'a rien à cacher. On est à Lyon, on est entre Lyonnais, on s'affiche pas, on n'a rien à cacher. C'est pour ça que beaucoup de gens disaient, pourquoi tu réponds pas? J'ai pas à répondre sur les réseaux. Regarde, machallah, la providence a fait que je suis venu faire une pub pour un frérot, on l'a trouvé. Eh bien, explique-nous, frère, t'étais énervé par rapport à quoi? Je t'ai promis des choses, j'ai pas respecté, frérot. Déjà, quand tu dis on l'a trouvé, je savais que t'étais là, ouais. Je suis passé. D'accord, bien. Passé, moi je savais que, comme j'ai expliqué dans les vidéos là, les histoires des réseaux sociaux, nanana, j'avais dit la dernière fois, il va rien se passer. On va pas aller en prison pour la belle gueule des gens. Maintenant, moi je suis passé, je voulais avoir une explication avec lui, comme des grands garçons, on s'est expliqué. Ça a commencé à faire des vidéos, Bassem, il fait pas gratter. Ouais, moi au début, tu m'avais promis des choses, je te rappelle. Et moi, j'ai rien demandé à la base, et je le redis, j'ai rien demandé. Mais il m'a dit, ce que tu as fait pour moi, je le fais de bon cœur. Et en sachant qu'il m'avait rien demandé de faire non plus. Hein? Tu m'as promis, tu m'as dit que tu allais faire des choses derrière. Il n'y a rien eu du tout. Je suis sorti de prison, ouais. Je t'ai envoyé des messages, aucune nouvelle. Je peux comprendre, tu es là, tu colles, le mec, il ouvre les messages, mais il répond pas. Mais d'habitude, quand tu étais au Haïs, quand tu m'envoyais des messages, je te répondais ou pas, frère? On s'est pas trop parlé, on s'est parlé ensemble que par rapport à l'embrouille. Ce que t'as fait par rapport à l'histoire, même si je t'ai rien demandé, juste à et c'est ce que j'ai dit, est-ce que tu peux confirmer? D'accord. Tout ce qu'il dit, il dit vrai. Tout ce que je dis, il dit vrai. Il y a eu un quiproquo, c'est pas un souci. Voilà, c'est pas bien le scénario que tu m'as fait faire. Il m'a fait faire des scénarios, je rentre dans le snack, oh Bassem. Il me dit, oh FTJ, bien vu frérot. Oh FTJ. Starfallah, allez je dis, tu m'as fait rentrer dans le panneau, j'ai écouté tes paroles de diabolique. Je suis rentré dans le jeu, moi, ça y est, c'est pas bien, tant ça y est. Hein? J'ai envie de me mettre des coups de poing à cause de tes scénarios. J'ai cru que j'étais Brad Pitt que tu m'as fait faire ça. Je rentrais, oh rentre dans le snack, toi comme si on s'est jamais vu. Oh. FDJ, oh Bassem, même moi je t'ai cru, même moi. Je vais vous dire un petit truc encore mieux.
Parce qu'il y en a beaucoup qui mélangent tout. Ouais, j'ai fait ça pour lui ou pour lui. Écoutez, moi, Marc Blatta, la crime, je suis pas rentré dans leurs histoires. C'est parce que Marc Blatta, il a mis un audio de Bassem qui parlait de moi dessus et en même temps, il disait que c'était le papa de Lyon. C'est tout. Sinon, je serais jamais rentré dans... Moi, j'ai rien à voir. Moi, c'est pas mes histoires. Ah, maintenant, Bassem, si tu veux qu'on arrête la guerre, je veux mon Oscar pour le scénario que tu m'as fait faire. Je veux mon Oscar, frère. Wallah, les gens, ils y ont cru, frère. Je veux mon Oscar. Je m'en bats les couilles, tu vas me faire passer, là. Je veux passer dans le tapis rouge. Wallah, tu vas me faire passer dans le tapis rouge. Je veux mon Oscar, sale bâtard. Ouais, FDJ, Bassem, il s'est calmé ou pas? Bah, j'espère pour lui, parce que sinon, on va lui faire une Pablo Escobar. On va arriver plein de gilets pare-balles. T'as dans ta grand-mère. Bassem, 6-9 2-0-0, le quartier que j'ai jamais vu parce que je sors pas dans mon quartier. À se boire à l'Abreuvoir, fils. Team FDJ. Ah, et puis moi j'ai vu, des gens ils se frottaient les mains en haut, à droite, à gauche. J'ai vu des vidéos d'insultes. Ah, les petits insultes de son secteur. Non, les petits qu'ils ont insultés. Les petits qu'ils ont insultés. Wallah, ils le connaissent même pas. Enfin, ils suivent sur internet et tout. Ils savaient même pas les insulter qui. C'est moi, je leur ai dit, ah, vas-y, insulter, nanana. Dans les vidéos, j'étais énervé. Tu vois, c'était plus sur le coup d'énervé. Ils ont rien à voir, c'était tout le monde. D'accord, ok. Je vais te bouquer avant tout ton Bassem. Dans ta story, tu fais la chaîne. Je vais te bouquer avant tout ton Bassem. Bassem, 6-9, 2-0-0. Le quartier que j'ai jamais vu parce que je sors pas dans mon quartier. Voilà, c'est pas bien les scénarios que tu m'as fait faire. Il m'a fait faire des scénarios, je rentre dans le snack, oh Bassem, il me dit, oh FDJ, bien vu frérot, oh FDJ, j'ai cru que c'était Brad Pitt que tu m'as fait faire ça, je rentrais, oh rentre dans le snack, toi comme si on s'est jamais vu, oh FDJ, oh Bassem, même moi je t'ai cru, c'est parce que Marc Blatta il a mis un audio de Bassem qui parlait de moi dessus et en même temps il disait que c'était le papa de Lyon, c'est tout, sinon... Je serais jamais rentré dans... Moi, j'ai rien à voir. Moi, c'est pas mes histoires. Ce qui est entre Lacry, Marc Blatta, Bassem, c'est entre eux. Il y a mon blaze, il est sorti. C'est ça qui m'a énervé. Bassem, je te le dis et je te le redis. J'ai pas trahi la Honda. C'est la Honda qui m'a trahi. C'est toi qui m'as trahi. Arrêtez de me dire, oh, c'est un mec de Lyon. C'est un grand chez toi. Il n'y a pas de grand, déjà. J'ai un certain âge, moi, déjà, j'ai... Nos parents, starfallah, presque, on les écoute pas. Bassem, j'ai toujours été derrière lui. Moi, je le montrais pas, hein, parce que, wallah, je parlais avec lui en solo, il avait des histoires, ouais, il m'appelait, oh, vas-y, c'est bon, je vais les régler. Tac, bam, bam, c'est bon, je les règle en deux secondes. En gros, c'était donnant. Mais là, à partir de maintenant, je vais plus de donnant. Aujourd'hui, je vais des danettes. T'as compris ou pas? Peste de ça, si je pourrais faire des trucs... Je parlais avec lui, si je voulais, je l'enregistrais en train de dire des trucs et je le faisais pas. Là, je l'ai fait, je l'ai enregistré hier parce que j'ai pris une haine quand j'ai vu. Ah, quand j'ai vu qu'il avait fait ses audios. Bref, moi, j'ai rien contre la crime. Hein, j'écoute sa musique. J'aime bien comment il chante. Ça, voilà, il n'y a rien. Il abalance personne, à ce que je sache. Contrairement à certains rappeurs, certaines rappeuses, je veux dire. Hein, et Bassem. J'ai toujours été derrière lui. Moi, je le montrais pas, hein, parce que wallah, je parlais avec lui en solo, il avait des histoires, ouais, il m'appelait, oh, vas-y, c'est bon, je vais les régler. Tac, bam, bam, c'est bon, je les régle en deux secondes. Mais tu l'as trahi. Tu as trahi celui qui était là pour toi. Celui qui était là derrière toi et qui ne cherchait pas à avoir du buzz. Parce que je pouvais te dire, oh, tu fais ça, tu mets dans la story. Non, tu me partageais tout seul parce que tu savais que moi, je faisais des trucs bien. En gros, c'était donnant. Mais là, à partir de maintenant, je vais plus de donnant. Aujourd'hui, je veux des danettes. T'as compris ou pas? Espèce de salope. Donc, arrêtez de croire des choses et arrêtez. Allez, et tous ceux qui me demandent pourquoi j'ai accepté le scénario, bah, je vous dis la vérité, je l'ai accepté parce que, wallah, j'allais partir en live. En live, pay with punk. J'allais attraper Bassem, je voulais lui faire un guet-apens. Je vous dis la vérité, je ne vais pas vous le cacher. On était chaud. On allait partir en couille. Mon grand frère, il nous a ralenti. Hein? Mon grand frère, il m'a dit non, ça sert à rien, tu vois pas le Hachem. Il a des enfants, il a ça. Hein? Il a appelé mes amis, il leur a dit, il n'y a personne, il ne fait rien. Voilà. Nous, il y a le respect du grand frère, ça veut dire on a fermé nos gueules.
on n'a pas parlé, j'ai pas fait. Mon frère, il m'a dit, voilà, maintenant tu vas l'attraper, tu t'arranges. Moi, je suis parti en bas de chez lui, j'étais énervé, je vous mens pas. Même si mon grand frère, il m'a fait ça, je voulais lui en mettre une. Mais, malgré tout, je l'ai pas fait, au final, parce qu'il a fait un peu la tapette. Et voilà, du coup, on a fait le scénario qu'il m'a dit derrière, hein, ça a fait du buzz. Certains, franchement, je suis désolé où je mets la phrase quand tu dis, ouais, c'est nègre, ce nègre, en parlant d'un noir. Wallah, wallah, c'est choquant, mais j'étais obligé de montrer ça à tout le monde. Alors qu'à ça, vous voyez sa vraie face de raciste. Parce qu'un vrai musulman, il n'est pas raciste. Vous le savez très bien. Je voulais juste éclater ça, vous faire montrer sa tête, comment elle est vraiment. Moi, j'en veux pas aux gens qui suivent Bassem. Juste faites attention à qui vous suivez. Pourquoi? Parce que, wallah, il est très intelligent. Oh, Bassem, il est allé loin dans les études. Il est très fort. Il sait comment faire. Je suis un mec de quartier dans la misère qui aide les gens. Mais en réalité, j'ai mon cerveau qui est pas comme les mecs de quartier. Je suis allé loin dans ma vie. Il a une sœur avocate. Il est très, très intelligent. Il sait comment répondre et comment faire à chaque moment. Vous comprenez pourquoi il endoctrine des cerveaux? Il sait comment faire. Regardez l'histoire de Bassem avec Sadek. La tête de ma mère, je suis un fils de pute si je vous mens. Bassem, il était dehors. Il n'était pas à l'hôpital. Je lui ai dit, comment ça se fait? T'es resté aussi longtemps à l'hôpital alors que t'avais rien en réalité. Il avait rien, il avait un cocard, il avait rien du tout. Il m'a dit, j'attendais, fallait que l'attention, elle monte, fallait que les gens, ils sachent. Ça fait du buzz. Pour vous dire à quel point, il sait comment faire à tout, pour les cagnottes, pour tout. Vous avez bien vu, il y a des preuves qu'il a volé des femmes, ça, c'est sur YouTube, arrêtez. Réfléchissez un peu, moi je vous le dis. Il prend votre argent pour aider les gens et tout ça. Mais Bassem, tu prends 1000 euros par pub. Une pub de 10 secondes, tu prends 1000 euros. Tu roules en RS3. Il y a des gens dans ton snap de la TH qui, les pauvres, touchent le RSA. Et quand ils voient des choses qui les touchent dans ton snap, ils mettent de leur argent alors qu'ils ont que le RSA, ils ont rien d'autre. Hein? Ils économisent, ils ont que ça, ils peuvent pas. Toi qui roules en RS3, toi qui fais des pubs à 1000 euros, pourquoi n'aides-tu pas à tous les gens? Hein? Pourquoi rouler en RS3 s'ils te font vraiment de la peine? Non? J'aurais tout vendu, tenez. On joue pas un rôle, mon frère. Faut pas jouer. Arrêtez de suivre les gens. Moi, je vous dis, vous l'enrichissez. Wallah, vous l'enrichissez. Si vraiment il aurait de la peine pour les gens, il roulerait en rien du tout. Après, ceux qui font des trucs, fissabilillah, et qui, voilà, qui aident pour, voilà, c'est pour entre vous et Dieu, même s'ils vous volent, même s'ils vous volent, Rabbi, il sait le geste que vous avez fait. Il sait pourquoi vous l'avez fait. Donc, même s'ils vous volent, il y a Karabi qui décide, il sait ce qu'il y a dans le fond de vos pensées. Donc je pense que vous serez récompensé. Mais maintenant que vous savez qu'est-ce qu'il fait avec votre argent, je dis pas qu'il vole les cagnottes, attention. Je dis juste qu'il fait des bons scénarios. Donc voilà, ça veut tout dire. Et vous voyez très bien que tout ça, c'est une histoire d'argent. Regardez, par exemple, c'est un Tunisien. À tous les Tunisiens de France, ça va les gros? Wallah, vous êtes la famille, vous savez très bien. Moi, Maghreb United, Monde United. Vu qu'il sait que Baby Driver, il fait du bail, enfin, il est connu sur Snap et tout. Ben, il a Baby Driver dans sa poche, ouais, c'est mon ami. Bon, il me demandait de l'insulter il y a un temps. Maintenant, ouais, c'est son ami, ils s'entendent bien. Ouais, Baby Driver. Mais frère, il a insulté les Tunisiens. Pourquoi tu parles de communauté? Hein, il a insulté les Tunisiens. Tu l'as vu la vidéo? C'est ton ami? Bah oui, histoire d'argent. Arrêtez de dire que j'ai dit que c'était un voleur de cagnotte. Non, j'ai dit qu'il y avait des gros soupçons. Et quand il y a des soupçons, faut garder ses sous, sous son lit. Ferme que tu vas manger.